Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision pour cette nouvelle semaine. C'est 10-12. Le Zénith qui démarre à l'instant. Comment comprendre exactement qu'un ministre de la République de son temps fut-il ministre de la fonction publique choisisse de réunir des élites de son village en leur adressant un courrier, mais surtout en utilisant les sceaux de la République, mais surtout, les insignes, si vous voulez, encore l'entête même du ministère de la fonction publique, et qu'aujourd'hui qu'on en vienne à voir une réalité contextuelle avec le professeur Elie Banda du côté de l'ECAM. Madame, Monsieur, comment respecter finalement les institutions au Cameroun? Et vous le savez également, à l'ECAM, ça chauffe énormément. Le SDF demande la démission de ce membre du conseil électoral, le professeur Elie Banda. Et selon le parti justement de la balance, son maintien s'apparentera à une provocation. Comment comprendre en fait que le professeur Elie Banda, membre du conseil électoral, ait saisi Sa Majesté Mbombo Ndjoya, coordonnateur RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun, aux fins de solliciter sa médiation au sujet d'un litige portant sur la levée des scellés de la dépouille d'un membre du comité central du RDPC parti au pouvoir. La question est posée et il faut absolument donner une réponse à cela. Sur facturation également, on parle de scandale sur la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en France. Quel est le rôle qu'a joué l'ancien ambassadeur, on parle ici de l'ancien ambassadeur Alfred Nguini? Comment expliquer qu'il y ait eu d'autres résidences secondaires? Quel est le coût de ces résidences? Comment expliquer également qu'il y a quelque temps que l'on puisse remettre ou chasser de l'ambassade du Cameroun des personnes qui y habitaient et qui n'étaient pas en même temps ceux du corps diplomatique? Et quel était le rôle joué ici par l'actuel directeur du cabinet civil, le sentant comme ambassadeur en France? Des questions qui méritent absolument d'avoir des réponses, madame, monsieur. Merci à vous, merci à tous de nous retrouver. Comme le Cameroun bouge, nous aussi nous bougeons avec lui. La grande famille est au complet ce matin. Charles Amel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Bombon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. La violence, la violence, la violence. Une autorité administrative est en proie à un assassinat d'une fille acribie. Toujours la violence. Où est-ce qu'on en sera? Va-t-on en finir avec ces recrudescences de la violence? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais l'autorité administrative dit que c'était une mauvaise, une fausse manipulation de son arme. Toujours est-il que cette fille, elle n'est plus là pour témoigner ce qui s'est réellement arrivé. Mais la violence, on n'incrimine pas l'autorité administrative. Nous disons simplement que ce pays, ils font les formations de militaires de base. Ils devraient savoir, ces autorités administratives devraient savoir comment se comporter avec son arme, surtout lorsqu'on est en famille et on est en privé. Merci. Tué chez un sous-préfet, c'est la petite Lydienne aujourd'hui. L'arme qui a ôté la vie à cette étudiante est celle du nouveau sous-préfet du Lokoundé qui, depuis ce week-end, défraie la chronique et fait parler plus d'un sur la toile, madame, monsieur. Une actualité que nous suivons avec vous également. Charles Amem Batou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Samedi a eu lieu dans le Mungo le lancement de la saison cacaoyère. On a vu sur les lieux plein de planteurs venir assister à ce lancement tout en se souvenant de la bonne période de la fête du cacao. Seulement, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'État, le ministère des Finances, ne met pas de l'argent, le ministère de l'économie ne met pas de l'argent pour booster la filière cacao au Cameroun. Pourquoi ne pas donner, comme il fut en son temps, les moyens, comme l'avait fait le président Amadou Ahidjo. On a eu des personnes comme Soa, Nouchogouin, Kadji, Foto Victor, qui ont réussi à briller parce qu'ils avaient été appuyés par l'État. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont partis, les Kadji de Foto, dont on a célébré il n'y a pas longtemps les 2 ans de son décès. Ils sont tous partis.
Quelle est la jeune génération qui va prendre le flambeau? On a vu un lancement de saison de cacao, la saison de cacao vraiment très triste, trop triste. Vivement que l'État mette les moyens pour redonner encore le goût à la pratique du cacao, franchement. On ne sera pas pessimiste, Charles Amel, à la suite de votre appel ce matin. Mais rappelez également que l'Organisation mondiale du commerce qui fixe les prix d'achat sur le marché devrait prendre en compte les réalités contextuelles de nos agriculteurs, de nos planteurs camerounais. Et qu'ils sachent en même temps qu'il y a un travail qui se fait en amont avant que le café ou le cacao ne soit revendu à leur niveau. Et que nous rappelons que les pays producteurs de cacao et de café qui sont naturellement en Afrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire pour les citer également, et si vous voulez, le Ghana aussi. Nous avons un jeune Camerounais qui a cru au cacao, oui. M. Emmanuel Ney aussi qui a cru au cacao. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est important il que donné, les... il faut qu'on encourage, qu'on a besoin d'avoir des il porteurs. Faut que, il ne faut pas non seulement qu'on encourage à notre niveau, il faut encourager à notre niveau, mais il faudrait également que les prix sur le marché mondial soient tels que vous permettrez bien sûr aux agriculteurs de s'en sortir. Monsieur Michel Gatchou, si on met l'argent, ils vont créer les conditions adéquates, le concassement, le séchage. Mettez les moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Que l'État mette l'argent oui. Au niveau du Cameroun. Oui, qu'on mette l'argent. Il y a l'argent, ça ne manque pas. Il y a l'argent. Qu'on donne la... J'ai vu des planteurs. Moi, j'ai vu des planteurs qui veulent croire encore à cela, monsieur Michel Gatchou. Oui. Il faut les encourager. Très important. Même si la Suisse, qui aujourd'hui est le premier pays vendeur de chocolat au monde sans avoir un seul pied de cacao, c'est assez compliqué quand même. Karine Sonsa, bonjour. Bon début de semaine. Bonjour Michel, bon début de semaine à vous et aux téléspectateurs. L'eau a coulé. Non, c'est deux. C'est de l'eau, monsieur Mathieu. Excusez-moi. Oui, l'eau sale, l'eau sale. De l'eau. L'eau sale ou de l'eau a coulé pendant les examens de baccalauréat 2020. J'espère que ce n'est pas vous qui me non, faites vous ça. Elle a un OK ce chez matin. Chez nous, les traditionnalistes, on lui a buvé l'eau 9 fois. Voilà. Mmh. Elle a le OK et s'est dit que vous prenez encore. Personne ne veut que je parle de l'eau. Vous prenez de l'eau, en fait. Je vais boire de l'eau. Voilà. Je ne parle plus d'eau. Je ne parle plus de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Taisez-vous déjà sur l'eau. Et allez boire de l'eau, je vous en prie. Allez, Dominique Audreau-Yengelec, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Bonne semaine à vous également. Ce matin, je porte les inquiétudes d'une maman qui m'a écrit. Elle parle de son fils qui a été promu en classe supérieure dans un établissement public au Cameroun, mais malheureusement, il a été exclu pour absentéisme. Et dans le bulletin de l'enfant, il était mentionné qu'il était absent pendant 72 heures au cours de l'année. Elle dit qu'elle a frôlé la crise cardiaque. Mais lorsqu'elle va à l'établissement pour demander qu'on lui présente effectivement le dossier de son enfant avec toutes ses heures d'absence, notamment le cahier d'appel, dans la machine, la secrétaire tape le nom de son fils et il se trouve que son fils n'a que 2 heures d'absence dans son bulletin. À côté d'elle, il y avait une autre maman dont l'enfant a eu 237 heures d'absence. Et dans la machine, il se trouve que l'enfant n'a eu que 7 heures. Cet enfant également a été renvoyé. Comment comprendre que les établissements, ou bien que certains établissements, procèdent de cette manière pour renvoyer les enfants? Y a-t-il pas une tentative ou bien un souhait masqué de vendre ces places? La question se pose. La chèvre en bout de la voile attachée peut-être aussi. Je sais pas, c'est bien. Sauf qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas. Non, c'est pour décrier la réalité. Oui, il faudrait que les parents soient vigilants. Si vous avez la possibilité de vous rendre dans l'établissement de votre enfant pour attester effectivement du nombre d'heures d'absence pour lesquelles votre enfant a été renvoyé, faites-le. Faites-le. Merci beaucoup Dominique Audrey. Et rapidement, vous allez renchérir avec l'histoire du jour. Oui, on reste toujours dans le même sillage. On parle des enfants, notamment de Martial, qui est âgé aujourd'hui de 20 ans. Il est le troisième d'une fratrie, de trois. Il est le dernier. Il y a une fille et un garçon. Il a grandi uniquement avec sa mère et durant toute sa vie, il n'a entendu que des histoires de mauvaise qualité sur son père. Il raconte que sa mère lui a dit que lorsqu'il a eu 1 an, son père l'a abandonné parce qu'il était gravement malade. Ils sont allés d'hôpital en hôpital, on n'a pas pu trouver la solution et qu'il a été soigné par une maman, une guérisseuse. Et depuis lors, on n'a jamais rien entendu, du moins lui n'a jamais rien entendu de bon au sujet de son père.
conséquence, toute sa vie, disons 19 ans de sa vie, lorsque sa mère piquait une crise, tu as un enfant abandonné, ton père ne t'a jamais aimé, je crois qu'il avait raison de dire que tu étais un démon et tout. Et avec la complicité de ses frères, de ses deux aînés et de certains de ses oncles, il a pu rentrer en contact avec son père. Et ce jour-là, il y a sensiblement 2 semaines exactement, il a eu une conversation avec son père où il lui a posé la question de savoir où est-ce que tu es passé toutes ces années de ma vie. Et son père de lui dire, en réalité, ta mère, je venais de perdre mon travail, j'étais sans emploi et ta mère a décidé de mettre un terme à la relation et elle est partie avec tes frères et toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lorsque j'ai eu 1 an et que j'étais malade, tu m'as abandonné? Son père dit non, je ne t'ai jamais abandonné et de toute façon, ta maladie n'était pas aussi grave que ça. Aujourd'hui, la mère du jeune homme, la mère de Martial, âgée de 20 ans, a refait sa vie. Elle vit avec un homme avec qui elle a 2 enfants aujourd'hui. Et son père également a également refait sa vie avec une femme avec laquelle il a 1 enfant. Donc, le problème de Martial aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il devrait dire à sa mère qu'il est entré en contact avec son père par l'entremise de ses frères et de ses oncles? Est-ce qu'il devrait plutôt mettre la pression à sa mère pour qu'elle établisse le contact avec son père sans lui dire que lui connaît déjà son père? Et qui croire entre les deux? Qui dit la vérité? Qui est parti et qui a chassé? Merci beaucoup Dominique Audrey ce matin. L'histoire du jour, on tentera également de mieux comprendre cette relation existante entre père et mère, mais surtout des fuites, on peut le dire comme ça, parce que lorsqu'on prend l'enfant et on s'en va, c'est assez dangereux. Et quels enfants grandissent sans connaître effectivement qui est papa et le cherche par la suite. On tentera également de mieux comprendre cette question ou ces 2 questions posées ce matin. Comment dit à sa mère qu'il est entré en contact avec son père et qu'il connaît la vérité malgré l'interdiction de maman, voilà. Ou encore comment amener maman à renouer de bons liens avec papa, c'est ça? Et si vous permettez, pourquoi est-ce que certaines femmes diabolisent le père de leurs enfants? Voilà. Merci beaucoup, voilà. C'est la 3e question justement. Oui, qu'on pourrait pourquoi ajouter. Les femmes diabolisent les pères de leurs enfants? Oui, c'est très grave ce matin. Oui. Reste avec nous, madame, monsieur. Laissez-nous justement vos commentaires à la suite de cette histoire qui sera restituée, y compris tout à l'heure avec la collègue Charles Amel Batiou. Je vous rappelle qu'on reviendra avec vous sur les pages 10-12, Le Zénith sur Facebook ou encore sur les pages Equinox Télévision. Allez vous y abonner, laissez-nous vos commentaires. Je me retourne d'abord vers vous ce matin, Karine Santia. Pourquoi est-ce que certaines femmes diabolisent les pères de leurs enfants une fois que la relation est terminée? Merci de m'écouter. Ça va dépendre de comment est-ce qu'elle s'est terminée. Hein. Si le père des enfants vous abandonne dans une maison, vous vivez ensemble, avec les enfants, il part, ce ne sera pas évident pour vous de dire que votre père est quelqu'un de bien, par exemple, aux enfants. Maintenant, si le papa est quelqu'un que lorsque vous êtes tombée enceinte, il vous a dit « je ne veux pas de cet enfant, il faut l'avorter », je ne pense pas que vous serez toujours heureuse de dire à votre père, à votre enfant que votre papa c'est quelqu'un de bien, par exemple. Maintenant, je veux aussi dire que si vous êtes avec un monsieur qui a passé du temps à vous frapper, à battre sur vous et tout, et qui un jour s'est levé le matin et vous a mis à la porte justement parce que vous n'étiez plus trop à son goût, je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir le courage de dire à vos enfants, à votre enfant que votre père c'est un ange. Sauf que l'idéal qu'on aimerait avoir, c'est que l'enfant lui-même découvre qui est son père. C'est-à-dire que ce soit niveau attitude et autres. Parce que vous ne pouvez pas juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas avoir des a priori. La plupart des parents préfèrent dire aux enfants que votre papa est parti, votre papa a voyagé, il va revenir un jour. Et puis quand l'enfant grandit, il comprend finalement que, en fait, c'est pas que papa est parti, papa a peut-être abandonné maman, papa peut-être... Maman ne lui dit pas, en fait. C'est un jour que maman peut lui dire, voilà, je vais te raconter la vraie histoire sur ta naissance. Et puis, elle lui dit que voilà ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il a grandi avec une idée très, très négative de son père. Et aujourd'hui, il a cette idée-là. Je ne sais pas où il est bloqué pour expliquer à sa maman. Non, peut-être pas bloqué. Il veut savoir la vérité. Où est la vérité? Je ne pense pas que c'est... Il connaît déjà où son père se trouve. Parce que la mère a diabolisé le père pendant toutes ces années. Ce n'est pas ça le but de l'histoire. Il connaît où son père se trouve. Son père lui a expliqué sa version. Oui, mais la mère interdit au garçon d'aller voir son père. Il a 20 ans, donc il peut rencontrer son père. Il a 20 ans, donc il peut rencontrer son père. Il peut faire lui-même sa propre idée de son père.
Donc, je ne pense pas qu'à ce moment-ci, la maman soit capable de dire que je ne veux plus que tu vois ton père et tout. Il a pu entrer en contact avec son père sans que sa maman ne le sache. Ça veut dire qu'il peut rester en contact avec son père même pendant 30 ans encore et sa maman ne le saura pas. Mmh. Le problème dans cette histoire, c'est comment permettre à ce que ce garçon, bien qu'il s'entende maintenant avec son père, ne dégrade pas la relation qu'il a avec sa mère. Parce que c'est ça le problème. Le problème n'est plus maman avait menti, papa avait menti. Il connaît déjà la vérité et il peut aussi essayer de comprendre que la vérité, c'est que maman n'a pas digéré peut-être ce qui s'était passé. La version de maman n'est pas cohérente avec celle de papa. Donc, au final, ce qu'il a à faire, ce n'est pas de juger les deux. Pas du tout. Il ne peut pas les juger tous les deux. Il doit juste essayer de s'entendre et de faire le juste milieu. C'est-à-dire que je peux m'entendre avec maman sans problème, je m'entends avec papa sans problème. Ouais. Je peux aller rendre visite à papa sans problème, ainsi de suite. Donc, il doit dire à sa maman que « Maman, malgré tes interdictions, je suis entrée en contact avec mon père. » C'est vrai que les explications qu'il m'a données ne sont pas pareilles que les tiennes, mais moi je veux continuer à rester en contact avec mon père. Parce que s'il commence à dire que... À la question qu'il pose, comment dire à sa mère ? Ça c'est une chose. Et maintenant, est-ce qu'il devrait rentrer dans un processus où il amène sa mère à revoir son père, à se réconcilier ? Peut-être qu'il a besoin justement de se sentir dans une chaleur familiale aussi. Ouais, ok. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Sa mère s'est remariée, son père s'est remarié. Il veut faire quoi? Il veut faire quoi? La seule chose qu'il a à faire, c'est que finalement, les deux s'entendent sur le fait qu'on a un enfant, il est déjà grand, donc il est même capable de se chercher tout seul. La seule chose dont il a besoin, c'est de connaître son père. Maintenant, il connaît son père, il doit rencontrer ses soeurs ou ses frères que son père a eu ailleurs. Et c'est comme ça, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas de faire que son père et sa mère s'assiedent pour voir s'ils peuvent divorcer chacun de leur côté pour se remettre ensemble. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand vous êtes issu de familles monoparentales, vous, la seule chose qui vous reste, c'est de retrouver votre autre parent. Et quand vous le retrouvez, vous essayez de nouer avec lui d'abord. Maintenant, c'est à un moment, si vous avez un problème, et puis les deux vont s'asseoir pour dire, ok, par rapport à l'éducation de l'enfant, comme on veut qu'il aille à l'université, vraiment, l'école sera très difficile pour moi, j'aimerais que tu contribues et tout. Mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il connaît son père, il doit rencontrer ses autres frères et dire à sa maman que j'ai rencontré mon papa. Point. Très bien. Dominique Audrey, laissez-nous également votre commentaire, votre point de vue sur cette question. Comment vider les inquiétudes de ce garçon? Vous s'appelle Martial, c'est ça? Oui, Martial. Martial. Ce n'est pas évident. Je comprends parfaitement la position de Martial aujourd'hui par rapport à sa mère. Il ne voudrait pas blesser sa mère. Lorsqu'une femme se retrouve seule avec trois enfants et dont le père est parti dans des circonstances qu'on peut questionner, elle a une attention particulière, un amour particulier pour ses enfants-là à ce moment précis. Conséquence, elle supportait surtout qu'il était le dernier et qu'il était très malade. Un homme qui perd son travail et qui la femme a l'impression que le monsieur ne fait pas trop d'efforts pour pouvoir se chercher, on a tendance à être tiraillé dans la maison, on a la tension, on a les nerfs et tout. Donc la séparation est partie d'un malentendu. Et pour que cet enfant grandisse normalement, parce que 19 ans, sans son père, sans amour paternel, même si maman s'est reconstruite et qu'elle a un homme à la maison, on a besoin de savoir, de vider ce qu'on peut appeler ce contentieux-là. Ces deux parents doivent pouvoir s'asseoir. Je crois que lorsqu'on a 20 ans, votre mère ne va plus vous taper quand même. Même si elle va vous gronder, il y a une façon. Mais maintenant, vous êtes suffisamment grand pour pouvoir lui dire, maman, je voudrais te dire quelque chose. Je sais que tu m'as interdit de le faire, tu vas te fâcher, mais sache que j'avais besoin de savoir qui était mon père. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné. Et je voudrais le faire avec toi. Je voudrais que tu sois là. Comme tous les jours de ma vie, comme 19 ans de ma vie, tu m'as accompagné. Je voudrais que dans ce processus également, tu sois là. Il ne faudrait pas que votre mère, Martial, se sente en retrait. Il ne faudrait pas qu'elle ait l'impression qu'elle va vous perdre. Parce que c'est ça, ce sera ça le problème. Elle aura l'impression que votre père est venu vous arracher à elle et qu'elle a perdu son fils. Pourtant, il n'en est rien. Il faudrait juste faire comprendre à votre mère que vous avez besoin de savoir qui est l'homme qui vous a fait, tout simplement. Donc, qu'il avec ses oncles et ses tantes et ses grands frères qui ont participé dès le départ, qu'on fasse une assise et que les deux parents, que le problème se termine. Ça fait 19 ans et ça fait tellement longtemps qu'on peut
passer outre tout ce qui s'est passé. Chacun a reconstruit sa vie déjà, mais Martial a besoin d'équilibre. Même s'il a 20 ans, il a besoin de savoir qui est son père. Et il n'y a que ses parents qui peuvent lui donner cet équilibre-là. Sa mère a été son père toute sa vie, mais maintenant, il a besoin d'une figure paternelle. Bientôt, il va connaître, comme on dit chez nous, les femmes. Il va entrer dans le monde professionnel. Donc, il a besoin d'une figure paternelle qui va pouvoir l'accompagner. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer que les femmes qui... La douleur, Michel. Mais quelle douleur? La douleur. La douleur de quoi? La douleur d'avoir... Oui, vous la croyez douleur... pas qu'elles aussi peuvent être à l'origine de quelques frictions? Tout le monde, dans les relations interpersonnelles, parce que c'est bien, c'est très souvent, c'est bien de dire que c'est la douleur, mais et voir toujours que c'est l'homme qui est le fautif, c'est pas l'homme, c'est l'homme qui aurait pu faire ci. Pas forcément, Michel. Voilà. On peut être, une femme peut être fautive dans l'histoire, mais lorsqu'on arrive à la séparation, elle a mal. Il y a le regret qui s'installe, mais on ne peut plus faire machine arrière. Donc, il y a la douleur maintenant qui fait que lorsque vous voyez cet enfant, vous vous souvenez, je me suis tellement donnée pour que cette relation marche. J'ai tellement aimé son père, j'ai abandonné tout ce que je pouvais avoir de meilleur pour être avec lui. Et aujourd'hui, il m'a laissé et il s'est reconstruit et il a une autre femme et il a des enfants. Il m'a oublié, il a oublié tout ce qu'on a fait. Donc, elle finit par avoir mal et c'est cette rancœur qui fait que malheureusement, on projette sa frustration sur l'enfant qui est encore tout petit et qui va grandir avec ça. Charles Amel Mbadiou, c'est une situation quand même particulière aujourd'hui. Avoir des enfants hors mariage, que les enfants soient écartés de leurs parents, 20 ans après revenir voir son père. Le père également doit embrasser de toutes les façons, non? Il embrasse, il peut aussi raconter sa part de version de ce qui s'est passé à l'enfant. Il a déjà raconté. Monsieur Michel Mbadiou, vous savez, quand une relation se construit avec le jeu, ça aboutit comme ce que dit la Dominique Audrey. Je, ça veut dire? Quand vous avez affaire à des femmes qui font des films, qui se font des films dans leur tête, j'ai donné tout, je donne tout, je me sacrifie, je. Pendant qu'elle dit je, elle oublie qu'en disant je, elle regarde ses doigts, l'homme est assis. En disant je, elle oublie qu'elle pense seule, elle exclut l'homme. C'est ça ce qu'on vit. Une relation ne se construit pas seule. Non, ça se construit avec votre partenaire. Si vous ne l'incluez pas dans votre programme, eh bien, il est dehors. Il vit en dehors de votre programme. Et c'est des choses qui se sentent. La différence qu'il y a entre la femme et l'homme, c'est que l'homme, pour agir, il ne parle pas. Mais la femme parle plus. Elle parle plus et elle ne sait pas que lorsqu'elle parle, elle débite parfois des mots frustrants, énervants, choquants. Qui poussent parfois l'homme à poser certains actes, M. Michel Mbadiou. Comme on a eu ce week-end où quelqu'un attend 2 heures pour nettoyer son arme. C'est quand même étonnant, M. Michel Mbadiou. Dans tous les cas, il faut dire que la femme qui s'interpose entre son homme et les enfants est une mauvaise femme. Une sorcière, M. Michel Mbadiou. La femme ne juge pas son mari. Vous les voyez dans les snack bars, vous les voyez dans les salons de coiffure. Mon mari là, c'est un sac. Mon mari là, hein, c'est... Ne vous plaignez donc pas que votre mari n'évolue pas. C'est vous. La femme ne juge pas l'homme, M. Michel Mbadiou. La femme n'a aucun pouvoir. La femme accuse son mari. J'ai remarqué que, j'ai constaté que, depuis longtemps, je ne sais pas. Vous-même, posez-lui la question et dites-moi. Voilà ce que la femme dit. Lorsqu'on la convoque à une assemblée d'hommes. Que reproches-tu à ton mari? Elle ne juge pas. J'ai constaté qu'il ne mange plus. J'ai constaté qu'il rentre tard. Depuis longtemps, j'ai vu. Je ne sais pas. Peut-être que je lui ai posé la question, il ne m'a pas répondu. Vous m'en posez-lui. Mais une femme qui dit que mon mari, c'est un bordel. Elle connaît ce que je dis. Excusez-moi l'expression. Quand vous le dites, vous condamnez déjà votre mari. Vous qui? L'argent. Autre chose, M. Michel Mbadiou. Lorsque vous dites à votre enfant que celui avec qui on vit n'est pas ton père, présentez-lui son père. Mm-hmm. Elle a encore fauté. Présentez-lui. Allez, mais dès que vous dites que celui que tu as passé le temps à appeler papa, ce n'est pas ton père, présentez-lui rapidement son père. Or, chez nous les Bantous, M. Michel Mbadiou, la vérité n'était dévoilée à l'enfant que le jour où il prenait femme. C'est ce jour où on l'appelle, on lui dit, tu es homme.
pendant longtemps tu as vécu, oui, tu étais là, tu as été avec papa tel qu'il t'a élevé, mais je veux te dire la vérité, ce n'est pas lui ton père. Ton véritable père est là. Nous avons eu des problèmes, on s'est séparés, on a eu ci, mais c'est le passé. Et il est temps que tu connaisses ton père. Je ne vais pas te raconter l'histoire, mais il est temps que tu connaisses ton père. C'est comme ça qu'on prend l'enfant. 2 à 3 jours, 7 jours avant le mariage, on met l'enfant avec son père en lui disant, voici ton fils. Ce que nous avons connu comme problème reste entre toi et moi. L'enfant a suffisamment payé le prix. Voilà ton père, il veut devenir homme. Je souhaiterais que c'est toi qui tiennes sa main ce jour où il va aller s'asseoir. Là, c'est là. C'est ce que la maman doit dire. C'est ça ce que nous on fait. C'est ça sur les bantous, monsieur Michel Gatou. C'est comme ça que nous vivons sur les bantous. L'enfant dont se retrouve là, il sait qu'il est homme, il doit faire. À l'heure, il a le discernement. Mais là, vous avez laissé un enfant, elle a laissé un enfant en pâture. Voilà un enfant qui a commencé à réfléchir. Peut-être qu'il a su que le monsieur n'était pas son père. C'est les voisins qui l'ont dit, parce qu'il y a plein de voisins qui connaissent la réalité, que le type que tu vois là, ce n'est pas ton père. Ta mère te manque. Nous, on connaît ton père. On va te montrer ton père. Regardez, ça, c'est un triplet en termes de traumatisme qu'on inflige à cet enfant. Découvrir son père en cachette comme un voleur. Côtoyer son père. Suivre si son père même avait été coupable. Qu'est-ce que le père va injecter encore dans la tête de l'enfant? L'enfant va se retrouver là. Traumatisé, vous écoutez même perdu, la version. Et vous allez vous rendre compte vraiment, monsieur Michel Gatou, que des femmes, les femmes commettent trop d'erreurs, qu'elles apprennent à un moment. Merci, cher Lamel Mathieu. Bon, mon Bengan, votre point de vue ce matin, il faudrait qu'une solution soit trouvée quand même pour ce garçon. Qu'est-ce que vous lui préconisez? Je lui dirais, prendre la conclusion de Audrey, qu'il n'entre pas dans les relations, qu'il lui. Entre son père et sa mère. Il n'entre pas, mais sera difficile. Parce que, en fait, sa maman est en train de constater l'isolement dans lequel elle va s'empêtrer. Qui lui a montré son père? C'est son frère aîné. Ses enfants vont se lutter contre elle. Son grand frère le prend et lui dit, viens, je te montre notre papa. Ça veut dire la chose simple suivante. Cette femme est une mauvaise femme. Elle les a écartés. Je vis ça presque tous les jours, depuis les années 86-87. Lorsque beaucoup de nos papas avaient perdu l'emploi, certaines mamans, pas toutes, certaines mamans qui étaient habituées à un système de vie, à un niveau de vie, et ont commencé à dire, mais tu n'apportes plus rien, quand tu dors ici, toi aussi, va te débrouiller là. Donc, tu voyez, les familles se sont disloquées comme ça. Et malheureusement, ces mamans-là ont transmis ce mode de vie à des générations aujourd'hui. Il en existe également. Ouais. Quand le garçon se bat, il se bat, il n'y a rien. Pourtant, vous avez commencé à avoir des enfants. Il est tiraillé par ses soeurs, par ceci, par ses copines. On lui dit, mais toi, tu fais même quoi derrière ce fainéant-là? Déjà, vous avez des enfants, faites comment? Ça doit être le cas de cette fille. En fait, qui est devenue maman ou femme aujourd'hui. Elle a donc abandonné, mais sous le inventant des histoires mis debout, et que ses premiers enfants ont conservé. Et je suis convaincu que ses premiers enfants allaient voir les papas. Ils sont en bonne relation avec les papas. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dit à leur cadet, il est temps pour toi il est de temps le rencontrer allons aussi. Te rencontrer papa. Donc en fait, ils ont su papa est dans la vérité, mais on n'amène pas les enfants à juger les parents. Pas du tout. Donc justement, et en plus, il faudrait là on doit voir apprécier l'attitude de et l'attitude des aînés me plaît. Oui. Me plaît parce que justement, ils ne les opposent pas. Ils ne les opposent pas. Ils cherchent un moyen pour vivre en harmonie avec les deux, sachant que maman n'acceptera jamais. Ils pensent donc que le moment viendra, je le souhaite, où leur maman comprendra qu'ils sont avec le papa et je pense qu'elle ne... C'est bientôt. Là. Voilà, c'est bientôt. Et si dans ce deuxième mariage, elle n'a pas eu d'enfant, elle en a eu des deux, comment les enfants qu'elle a eus seront-ils encadrés par leurs aînés qui sont d'un autre père? Je pense que c'est ce qu'il faudra résoudre et que ses fils aînés, ses premiers enfants comprennent. Ils ne veulent pas abandonner leur maman, c'est une très bonne chose. Et ça va profiter pour leur cadet de l'autre mariage. Parole de sage ce matin, madame, monsieur. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Sur les pages 10-12, le Zénith,
On vous y attend. Ou rapidement, pour ceux qui nous laisseront un message au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, on vous lira également tout à l'heure. Allez également nous laisser un petit message sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Merci au monde qui est bien évidemment avec nous ce matin. Dans un instant, madame, monsieur, on reviendra à autre chose pour parler d'une colère. Une colère qui s'exprime à travers la voix de Charles Amel Mbatiou. C'est sur votre programme. Dis-le Zénith, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du problème de la transformation des produits agroalimentaires et la crise de la filière tomate dans ce pays. Avec sa richesse climatique et ses terres arables, le Cameroun se positionne en Afrique centrale comme une mamelle nourricière pour toute la sous-région. Comment comprendre que le pays transforme très peu, sinon pas du tout, des produits issus de son agriculture? Qu'est devenue l'usine de transformation de la tomate, baptisée SCAN, implantée à Foumbot, dont tous les équipements sont depuis laissés en ruine? Créée en 1988, et ouverte en 1994, la Société des conserveries alimentaires du Noun n'a fonctionné que pendant 6 ans, parce que créée en l'an 2000. Parce que fonctionnelle, autant pour moi, de 1994 à l'an 2000. Elle avait pour président du conseil d'administration Urbain Olangene Awono, aujourd'hui là où vous savez. La seule unité de production de tomates en boîte située dans cette localité a fait faillite. On achetait cette boîte, elle était en conserve, toute ronde, rouge avec de belles tomates sur les faces. Laissant sur le carreau planteurs, employés et fournisseurs. Savez-vous que dans les bassins agricoles, l'approvisionnement énergétique est insuffisant et limité et limite les possibilités de stockage et de transformation. Conséquence, les planteurs se retrouvent voués à la navigation à vue. Le manque de routes bitumées et de réseaux de chemins de fer entrave l'acheminement des denrées agricoles des zones de production vers les marchés, tout en occasionnant des grosses pertes après la récolte. Quel est donc le rôle que joue le programme national de développement des cultures fruitières dans ce pays? Comment comprendre que rendu à ce jour, près de 50 ans après les indépendances, ce pays souffre encore de la non-maîtrise des technologies post-récolte? Comment comprendre qu'il n'existe aucune mesure d'accompagnement de production dans ce pays? Le piment, la tomate, les arachides, tout est abandonné. Pourtant, produit à grande échelle. Que dit des fruits comme l'orange, le pastèque, papaye? Dans les pays étrangers, on fait des jus de conserve. Mais chez nous, c'est abandonné. Comment comprendre que les producteurs des principales zones de production, que sont l'Ouest, le Centre, l'Adamawa et le Nord-Ouest, crient à l'abandon dans ce pays? Comment comprendre que le gouvernement ne s'est pas rendu compte que son immobilisme habituel compromettra durablement les revenus traditionnels tirés de la commercialisation des fruits, dont la tomate, soit un coût de 720 milliards de francs CFA sur le marché extérieur par an et 140 milliards de francs CFA sur le marché intérieur? Ne serait-il pas temps de mettre en place une politique d'industrialisation de la filière tomate, puisque c'est d'elle dont on parle ces derniers jours? On a vu deux planteurs qui se sont suicidés parce qu'ils ont vu l'œuvre de leur vie pourrie dans les champs. Ne croyez-vous pas que s'il y avait eu sur place une chaîne de transformation, la crise de tomates n'aurait pas eu lieu?
On aurait stabilisé les prix et acheminé le surplus de production dans les usines pour la conservation, car la tomate est une denrée très périssable. Quel sera le bilan de relance ou que fera le plan de relance de la production locale de tomates en cours d'élaboration prévu par le gouvernement de John Gouté, qui vise avant tout à l'identification des coopératives les plus impactées, le renforcement des capacités techniques de production et de transformation des tomates, sans toutefois oublier l'appui des agriculteurs en intrants agricoles. Il aurait fallu qu'il y ait cette crise pour que tout un premier ministre et son gouvernement s'asseyent pour réfléchir sur un plan de relance, alors qu'il y a une dette de 10 milliards de francs CFA qui a été contactée sur le dos de la SCAN, bien que fermée. Quand on connaît ce pays, on ne doit surtout pas croire du fait de la corruption ambiante qui règne dans les labyrinthes de ce pays. Comment comprendre cette crise qui menace ou qui a menacé la tomate? Comment comprendre qu'aucune méthode n'a été mise en place par le gouvernement de la sous-région pour encadrer les producteurs? Comment expliquer ce qu'ont traversé les producteurs de tomates camerounais? Marché local inondé, récolte bradée, grave situation qui menace de faire couler toute la filière locale parce que désormais, les planteurs déçus ont choisi de se tourner ailleurs, plus sur la tomate. Comment comprendre que les scènes jadis inhabituelles soient devenues récurrentes dans les rues de ce pays? Des camionnettes chargées d'importantes cargaisons de tomates font la tournée dans les quartiers populaires, avec à leur bord des vendeurs à la criée qui scandent les nouveaux prix extraordinairement bas des cages de tomates, habituellement vendues autour de 10 000 à 13 500 francs le cajot. Savez-vous que cette filière connaît une situation critique marquée par la perte des deux tiers de son marché représentant la zone CEMAC, zone économique des États de l'Afrique centrale? Au Nigeria, dans l'État de Kano, nous avons un homme d'affaires là-bas qui a mis sur pied une usine de transformation. Il achète dans tout le Nigeria pour transformer et faire des tomates. Au Ghana, l'État pensait mettre sur pied une usine de transformation d'arachide, pâte d'arachide, pour tout le pays où la consommation se fait dans les meilleurs des cas. Pas très loin, on a pensé mettre sur pied une usine de transformation du maïs. Mais au Cameroun, ça mange, ça boit, ça fait des discours et ça va. Charles-Armel Mathieu, que l'est exprimé ce matin, même si on en sort avec du sourire, on mange, non, on mange, ça boit et ça va. Ça fait des discours et ça va. Merci beaucoup Charles, merci à vous madame, monsieur. Laissez-nous également votre commentaire à la suite de cette colère. Mais on va quand même dire Charles Amel Mathieu tout à l'heure a parlé du Ghana et la réalité industrielle au Ghana aujourd'hui, qui est l'un des pays justement très émergents en Afrique. Mais là, voilà, dit Charles Amel, que dans les jours à venir, le Ghana pense déjà à rendre gratuit l'électricité et l'eau. Bon, au Cameroun, ça fait comment? Ça mange? Ça boit. Ça boit? Ça bavarde. Ça fait des discours et ça va. Et ça va. Bon, Ben Kankanji, vous avez suivi également Charles Amel ce matin. Hein? On va quand même comprendre de façon essentielle. Comment peut-on avoir au Cameroun une entreprise comme la SCAN, la société de conseillerie du Noun, alimentaire du Noun qu'on a connu, et qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui avec les portes fermées, et plus loin, on a 10 milliards de dettes octroyées pour une relance d'une filière comme celle-là, et que cela ne meuve personne parce qu'on continue encore de consommer, de l'importer au Cameroun. Surtout dans le secteur de la tomate. Comment vous expliquez ça? Mais parce que les pouvoirs publics ont décidé de se remplir les poches en tuant la production locale. Ce n'est pas compliqué. Ils l'ont fait avec Milky Way, ils l'ont fait avec la SCAN, ils l'ont fait avec plusieurs autres entreprises. Donc on ne peut pas. Je me rappelle parce que cette évocation de Charles Amel pourrait m'amener à utiliser les mots très forts, mais bon, au risque d'être traîné en justice pour outrage au corps constitué, je me réserverai de dire un certain nombre de choses. Mais ici, avec la SCAN,
Lorsque je pense, je me rappelle encore celui qui était directeur général de la Société nationale d'investissement, la SNI, c'était Ngan Yoon. Lorsqu'il lançait cette initiative qu'a continué Esther Ndang par la suite, c'était vraiment une entreprise, j'allais dire, de première nécessité. Et c'est même à dessein qu'on l'avait construite à côté de la coopérative agricole des planteurs du Noun. Et les études de marché qui avaient été faites disaient que le Cameroun devait avoir dans les 25 millions de boîtes de tomates concentrées ici et que les importations allaient seulement être autour de 5 à 6 millions par an. Et cette usine produisait, je pense, plus de 5000 kg de tomates par heure. Vous parlez bien de 5000 kg de tomates par heure. Oui. Et il s'est trouvé quoi? Il s'est trouvé que, comme la France, parce que il faut, je pense que nous ne devons plus avoir notre langue dans la poche, il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Comme la France a estimé que c'était un manque à gagner pour elle. Dans ce que j'aime évoquer ici, les 10 points de consensus de Washington, ça coïncide au 10e point. La France qui subventionne les agriculteurs chez elle et tous les pays de l'Union européenne interdisent au Cameroun de subventionner son agriculture. C'est ça le véritable problème ici. Donc la France s'est vue justement de ce moyen pour tuer la SCAN. J'ai dit oui, et avec la complicité. Est-ce que c'est un peu parler de complicité? On peut parler de complicité si on estime que le Cameroun est un pays souverain. Mais je parle plutôt d'un comptoir colonial, puisqu'en fait, nos autorités ne peuvent pas s'opposer à la France. Ils devraient le faire là. Ils devraient le faire parce que je me rappelle également d'une étude menée par deux étudiants. Un étudiant sorti du département géographie de l'école nationale, de l'école normale supérieure de Yaoundé, un certain Jean-Joël Ngabungé, et son collègue, lui, il était à Tchang. Il faisait également géographie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang, un certain Maurice Tselifak. Ils avaient analysé, ils avaient pris le soin d'analyser ça sous forme de mémoire qui a d'ailleurs été diffusé plusieurs reprises. Ils ont dit, c'est fait exprès, parce que dans ces jours de transformation, tout se fait en chaîne. Il ne faut pas qu'un maillon de la chaîne échappe. C'est-à-dire de la production des matières premières jusqu'à la transformation en études. Il se passe donc quoi? Et la mise en consommation. Il s'est donc passé que là, dans ce maillon de chaîne, la France avait à nous produire les boîtes. Et elle crée la pénurie. La France crée la pénurie. Là, le gouvernement est là qui nous regarde. C'est comment vous pouvez avoir un truc comme ça et vous donner, j'allais dire, le maillon central aux Français? Nous sommes sous l'ère Biya, Biya, puisque c'est de 87, je pense que ça devait d'ailleurs commencer à fonctionner en 89, mais c'est plus tard, des années après, en 94, que ça commence à fonctionner. Donc, ce n'est pas normal. Donc, on vient mettre la France, ou alors la France s'impose là, et en créant ce dysfonctionnement, on dit... L'usine produit, il n'y a pas de matière de boîte pour conserver la tomate. Et tout ce qu'on a produit. Pensez, voilà, c'est comme on a fait à la longue, comment vous l'appelez votre barrage de Menvelé. Oui. Donc on produit le courant électrique, on oublie qu'on doit transporter le courant électrique. Donc on fait comme si le courant électrique était devenu comme les biscuits. Mais même les biscuits, il y a des études de marché. Donc vous prenez le courant électrique, vous stockez. Oh, ça ne se stocke pas. Le problème, c'est justement ces orientations économiques où on dit que nous devons être encadrés par la France, qui est notre premier partenaire économique. C'est ça qui nous tue. Donc, cette orientation-là, il faut balayer l'escalier en commençant par le haut. Merci, Mbombok. Et comme on le dit très souvent chez nous au Cameroun, le poisson pourrit pas la tête. Lorsque la tête est pourrie, c'est évident que même le corps ne sera pas désirable. Karine Santia, est-ce que c'est de bon ton quand on regarde la situation de la SCAN aujourd'hui, pour reprendre effectivement le propos de Charles Lamel, pour mieux illustrer la filière tomate qui est malade, pour montrer aussi que ce n'est pas seulement la filière tomate qui est malade au Cameroun. Aucune mesure de production sur les entreprises à grande échelle au Cameroun, dans un secteur comme celui-là, est-ce que c'est explicable? On a vu justement comment ça se passait il y a quelques temps avec la tomate
Charles Amel l'a bien précisé ici, comment c'est des ventes à la criée, comment les prix d'un coup ont drastiquement chuté sur le marché, le lendemain les prix ont grimpé. Et si on avait une entreprise réelle qui nous encadrait ce secteur? Charles Amel avait dit au début de la crise du coronavirus que cette crise va exposer l'état de ceux qui nous gouvernent. Et au fur et à mesure, dans chaque secteur, on a vu l'état. Administratif, sanitaire, éducation, agroalimentaire, on a vu l'état. Et en ce qui concerne le secteur agroalimentaire, quand on parle de la SCAN, vous comprenez que l'objectif premier était de réduire les importations. On importait déjà, mais il fallait réduire les importations en proposant aux consommateurs camerounais des produits faits au Cameroun. C'est pour ça que cette boîte coûtait 100 francs. Vous parlez d'exportation. Réduire les importations, favoriser les exportations. Les exportations, justement. Et permettre aux Camerounais de consommer de la tomate camerounaise. Ah, ça, c'était l'objectif premier. Oui, c'est oui, la SCAN. Oui, très bien. La SCAN livrée dans toute la sous-région, oui, jusqu'en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est l'objectif premier. 25 millions de boîtes là. Très bien. Sauf que. Vous dites 25 millions. 25 millions de boîtes blanches. C'est 25 millions de boîtes blanches. Est-ce, qu'on a une idée sur les pertes en termes d'emploi? Ah, mais non, mais c'est merci. La SCAN était même arrivée à un moment où il avait baissé le prix de la boîte à 75 francs. 75 francs, voilà. Merci. Carré-son de ça poursuivre. Vous voyez que dans tout cela, lorsqu'on tue la SCAN, vous vous rendez compte que les entreprises agroalimentaires qui font dans le secteur de la tomate entrent progressivement au Cameroun et se multiplient. Celles qui étaient dans les pâtes alimentaires ont migré, ont multiplié les productions et sont retrouvées dans les tomates. Ça veut dire quoi? Le Cameroun importe la tomate venue de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Italie, de l'Espagne, de la France et tous ces pays-là. Sauf que ces pays-là qui font venir la tomate n'utilisent le Cameroun que pour empaqueter. Donc, au Cameroun, on met juste dans les sachets. Encore quel genre d'emballage? Emballage plastique ou encore emballage en aluminium? Encore que, parfois, ces emballages en alu-là viennent de l'étranger. Donc, ici, vous ne savez que... Ils contiennent des souches cancérigènes. Cancérigènes. Donc, ça veut dire que, finalement, on a choisi l'option de manger ce qui vient de l'extérieur en ce qui concerne la tomate. Maintenant, bien que les Camerounais aient réussi à produire de la tomate, ils ont réussi à trouver un marché qui était ouvert à eux venant des pays voisins du Cameroun. Sauf que le coronavirus est venu montrer que, en dehors du fait que vous produisez, vous êtes obligé aujourd'hui, si vous voulez avoir une économie prospère, de transformer. On ne produit pas pour laisser. Les tomates sont pourries dans les plantations parce qu'on produit pour vendre à l'extérieur. Pour vendre quoi? La tomate en fruits. Alors que même les tomates que nous importons sont transformées. Au moins, lorsqu'elle est trois fois concentrée, on diminue même à deux fois concentrée ou une fois avant qu'elle n'arrive ici. Elle ne vient pas brute. Mais nous, on prend les tomates qui sont brutes et on envoie à l'extérieur. Sauf que ce que nous, on consomme n'est pas forcément la bonne qualité. Il y a des types de tomates au marché. Vous avez les olivettes, vous avez les terrissas et autres. Que ce que nous consommons sur nos marchés, sur nos étalages, là, c'est pas toujours la bonne qualité. Oui, vous avez eu. Pendant il y a une sélection, il y a un prix. Il y a eu sur le marché, justement, à la fin, il y a quelques semaines, un style de tomate que tout le monde n'arrivait pas à comprendre. C'est-à-dire que vous avez une tomate, elle est très grosse. Vous fondez le milieu, c'est vide. Totalement vide. L'intérieur de la tomate est vide, mais elle est grosse. C'est encore ça, un échec de notre système agricole parce qu'on a utilisé des engrais qui, à un moment donné, sont défectueux sur les produits que nous produisons. Maintenant, un système économique comme le nôtre qui voudrait évoluer n'a pas besoin de faire dans des plantations. Est-ce que vous savez? C'est ça qui m'écœure encore. Hein. C'est-à-dire que dans les plantations qui sont aujourd'hui octroyées aux expatriés ou encore aux pays asiatiques, ils ont construit des usines de transformation. Mmh. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas pour que les Camerounais consomment. Hein. Quand ils finissent, ils envoient directement dans leur pays d'origine. Vous ne consommez que les restes ou les déchets. Et ça, les autorités le savent. Non, mais écoutez, on parle du chocolat camerounais. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez aller aller seulement à Dibombari. Vous allez voir ce qu'on fait des condiments non. verts. Allons, disons le mot camerounais, que ce que vous appelez le chocolat camerounais, ce sont les déchets que l'on consomme au Cameroun.
Est-ce que ça nous appartient? Encore, c'est justement la raison pour laquelle nous avons ce matin qu'aucune production industrielle à grande échelle au Cameroun, si vous voulez, aucune production locale pour une consommation à grande échelle, c'est bien dommage. Donc c'est un exemple patent, c'est une réalité. Madame, monsieur, on en reparle dans la deuxième partie avec vous. Merci de trouver de l'intérêt en restant sur nos antennes. C'est Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12, le Zénith. Bon retour, madame, monsieur. Merci de nous retrouver. Deuxième partie de votre programme, 10-12 le Zénith. Et on en profite justement avant de donner la parole à Dominique Audrey sur la question de cette réalité autour de la filière tomate au Cameroun. Rappelez qu'il y a une question qui taraude nos esprits depuis la semaine dernière. Vous le savez, il y a un vaccin qui risquerait d'être injecté à plus de 300 jeunes petites filles à l'âge de 9 ans au Cameroun. On parle bien du vaccin pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, les chercheurs sont un peu plus inquiets sur ce qui risque de se faire au Cameroun. On demande véritablement aux chercheurs d'être sérieux et de dire aux Camerounais, aux mamans qui sont inquiètes aujourd'hui pour leurs enfants, aux parents également qui sont inquiets pour leurs filles, qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement? Doit-on laisser ces enfants se faire injecter? Est-ce qu'il n'est pas temps que les parents se lèvent et demandent qu'il y ait l'autorisation parentale absolument avant de procéder à ces vaccinations? Et c'est important de le dire, madame, monsieur. Restons en ce moment dans la filière tomate, qui fait bien sûr l'objet de la colère présentée ce matin par Charles Amembatu. Pour prendre l'avis de Dominique Audrey sur cette question, qui montre quand même qu'il y a pas mal de manquements, Dominique Audrey, mais est-ce qu'il n'est pas de bon ton de comprendre qu'en réalité, il devrait y avoir un encadrement réel autour même de la tomate camerounaise pour que chacun puisse en profiter et surtout permettre qu'il y ait de la création permanente de l'emploi aujourd'hui? Dominique Audrey. Oui, avant de commencer, je voudrais, si vous le permettez, m'incliner d'abord devant la mémoire de nos deux compatriotes qui se sont donné la mort justement à cause de ça, à cause de cette perte énorme. Le monsieur de Yaoundé a fait un emprunt de 12 millions de francs CFA qu'il devait rembourser après la récolte de cette saison de tomates. Malheureusement, il n'a pu avoir que 2 millions et il n'a pas pu supporter le coût. Vous avez parlé d'encadrement, Michel Ngachou. Ça ne devrait pas simplement se limiter à la tomate. On devrait encadrer tous les secteurs d'activité du Cameroun pour pouvoir avoir un pays qui pourra tutoyer les cimes. Regardez, au Togo, il y a une usine de maïs. Au Nigeria, il y a une usine de tomates. Au Sénégal, il y a une usine d'arachide. Je veux dire d'huile et de pâte d'arachide. Pourquoi au Cameroun, qui a et l'arachide, et le maïs, et la tomate, on ne pourrait pas multiplier ces entreprises, ces industries, ces usines-là? Il y a un organisme, les PME, oui, avec sa banque notamment, qui est censé encadrer les agriculteurs et octroyer des prêts. Ça ne se limite pas simplement là. Ils doivent également accompagner ces différents agriculteurs-là dans l'acquisition des matières premières, dans l'acheminement des productions et dans les activités connexes. Mais malheureusement, on ne les voit pas sur le terrain. On ne les entend pas. Également, le ministère du Commerce qui n'est pas sorti pour pouvoir donner des prix, homologuer des prix pour qu'il n'y ait pas autant de pertes qu'il y en a eu par rapport à ces tomates. Depuis le départ de la crise, du moins lorsqu'on a commencé à parler de la tomate, on s'est dit ici, je crois il y a sensiblement un mois, que la surproduction de la tomate de cette année due à la fermeture des frontières est l'occasion pour pouvoir travailler sur la tomate. Mmh. On pourrait faire de la tomate séchée. On pourrait faire ce qu'on appelle vulgairement des sauces de tomates, comme on mange et comme on voit dans d'autres pays. On pourrait faire des cubes de tomates, on pourrait faire la tomate pelée, on pourrait faire des tomates en conserve. Pourquoi les personnes qui nous gouvernent ne se sont pas levées à ce moment-là? Je crois que même M. Kamto a fait une communication à ce sujet en mentionnant qu'il y aurait une chute, une crise au niveau de la filière. Mais les personnes qui nous dirigent sont restées insensibles, sont restées silencieuses. Sauf que il s'agit là de petits agriculteurs, chacun dans son agglomération, qui a donné du leurre. Non seulement on a un problème au niveau de l'acheminement des marchandises, parce que nous on voit simplement ce qu'on nous a ramené ici au marché Sandaga ou bien dans les rues, mais dans des villages également, il y en a qui n'ont pas pu être acheminés faute
de moyens, faute de routes bitumées. À côté de ça, il y a un problème d'approvisionnement énergétique au Cameroun qui fait que même si on se constitue entre 10 entrepreneurs, on met des fonds, on ne pourra pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir transformer. Donc, en conclusion, on va dire que l'industrialisation du Cameroun ou bien le développement du Cameroun passe par un certain nombre de choses qu'on ne peut dissocier les unes des autres. Il nous faut de l'énergie pour avoir des industries. Et on a la matière première, on a la matière de base, comme d'autres pays, comme au Nigeria, pour pouvoir avoir ces industries-là. Pourquoi on doit toujours être là à avoir la tomate qui nous vient du Maroc? Entendez vous-même, ce n'est pas normal qu'on continue comme vous ça. Ce n'est pas normal. Vous parlez de tomate qui nous vient du Maroc. Vous savez combien d'années, depuis combien de temps on mange la sardine importée au Cameroun? Voilà. C'est assez alors qu'on a des personnes qui font dans la pisciculture. Et c'est une seule personne qui a ce marché de la sardine au Cameroun. Et à côté de ça, on tue les personnes qui font de la pisciculture ici. Parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de faire cet élevage-là. Mm-hmm. Ils pourraient nous produire des tomates qu'on pourrait transformer et peut-être pas utiliser les conserves en fer. Et développer une autre industrie qui va nous produire des emballages. Et c'est comme ça que le Cameroun va se développer. Vraiment. Moi, je ne pense pas que ça ne s'arrête pas comme simplement M. Mbatiwa dit dans les... Du moins, je pense que c'est parce que ces personnes-là sont bien chez elles, qu'elles n'ont pas de problème, que le reste ne leur importe pas. Écoute, des personnes qui sont chez elles, qui n'ont pas de problème, cher Lamel, Dominique Audrey nous dit, mais est-ce que ce n'est pas ces personnes qui, quand même, pour revenir encore sur la SCAN, auraient bradé la SCAN, auraient octroyé des prêts au nom de la SCAN, auraient tué l'entreprise sans jamais rembourser ces 10 milliards. Aujourd'hui, le Cameroun souffre parce que vous avez octroyé un montant, vous avez fait des prêts pour relancer une filière, ce qui n'a jamais été fait. Est-ce que ce n'est pas ceux-là justement qui sont le problème aujourd'hui, en dehors du fait que l'on se plaint que c'est sur le renouveau que tout est mort? Monsieur Michel Ngatiou, quand vous faites une évaluation, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, tout autour du Noun, se développe une activité en termes de production de tomates. C'était dû à la naissance de la SCAN. Effectivement. La SCAN qui a donné naissance et a encouragé jusqu'au président du Sénat. Hein. Le président du Sénat est un très grand agriculteur de tomates. Hein. Mais bien sûr, Monsieur quand vous Michel allez à... Dit, oui, écoutez, à Manja. Non, pas Manja. À Café. Dans la zone de Café. À Café. Pas très loin de... Donc, c'est un très Bantou. Grand agriculteur. Et surtout dans les tomates, ça, permettez-moi de vous le dire. Qu'on voit aujourd'hui une filière comme celle-là mourir. Lorsqu'on créait la SCAN, elle était censée collecter par an 136 000 tonnes de tomates pour obtenir 7 000 tonnes de tomates concentrées. Mm-hmm. Voilà l'objectif. On achetait au port de Douala la boîte de conserve à 35 francs pour la revendre avec la tomate à l'intérieur à 100 francs. Lorsque la SCAN a commencé à se déployer sur le terrain, je vous assure, les gens ont commencé à rêver. Les gens se sont rendus compte que comme le cacao, comme le café, on pouvait produire et aller vendre en kilo. Au départ, on achetait le kilo, le monsieur Michel Ngatiou, de la tomate à l'époque, hein, on achetait à 50 francs. Le kilo. Le kilo, mmh. 50 francs. Lorsqu'on s'est rendu compte, puisque la production est abondante, lorsqu'on s'est rendu compte que hey, ça a commencé à soulever l'engouement, ils ont baissé à 26 francs le kilo. Contre les Gabonais qui achetaient à 50 francs le kilogramme. On a dit que d'aller vendre à la SCAN, mieux vaudrait qu'on parte vendre aux Gabonais qui prenaient le kilo à 50 francs. Voilà le premier quoi. Entre 1996 et 1997, on atteint le pic avec la production de 9200 tonnes. C'est en ce moment que les Français disent que hey, les gars la livrent au Niger, Nigeria, Bénin. Il livre ici au Tchad, il livre la tomate au Gabon, il livre la tomate en Guinée équatoriale. Mais si on laisse les gars là, nos entreprises vont mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils bloquent les boîtes de conserve. On se retrouve avec 9200 tonnes, monsieur Michel Ngatiou. On gère comment? 96-97, vous pouvez consulter. Les gars décident donc, ok, comme c'est comme ça, on va abandonner. On brade, non, même pas penser on aux décide emballages de plastique. Bloquer. Mais attendez, le moteur, comment était conçu le projet de la SCAN? Allez interroger. Quand les gars se rendent compte, les gars de la Kaplan nous veulent récupérer. En disant, nous, on ne va pas laisser que cette centrale de prise meure, elle est chez nous à Foubot, on veut récupérer, on dit, taisez-vous.
C'est là où donc la SNI, Yahoua et Satou, tout se mettent en branle. On brade. On décide de fermer la SCAN, M. Michel. Et les portes sont fermées aujourd'hui. Mais les portes sont fermées. Permettez-moi de vous dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de programme de tomates au Cameroun. Encore même des produits maraîchers au Cameroun. Il n'y a aucun programme au ministère de l'Agriculture. Pourtant, c'est 42 kg. 42 kg par habitant et par an qu'on mange. La tomate, 42 kg. Nous consommons la tomate, M. Michel Gatou. Je voudrais poursuivre. Je voudrais quand même préciser, cher Lamel, à la suite de Karine Sontia qu'il a dit ici sur ce plateau, que le Covid-19 devait nous permettre de voir les tares, justement, de la gestion de ce pays. Mais est-ce que vous avez entendu parler le ministère de l'Agriculture depuis un petit moment? Vous l'entendez? Vous le voyez sur le terrain avec le Covid-19 qui sévit? Vous le sentez? Monsieur Michel Gatou, merci, poursuivez. Merci, c'est pour comprendre. Voilà donc des agriculteurs qui sont abandonnés. De 2000 à aujourd'hui, c'est à qui mieux. Des jours on dit que la tomate est bien sortie, des jours on dit que la tomate n'est pas sortie. Allez voir les variétés de tomates mises sur le marché. Il n'y a pas d'encadreur. Il n'y a personne pour encadrer les planteurs. Dans ce domaine, les planteurs se débrouillent. Conséquence, on a la Guinée. Les Guinéens qui arrivent, ils vont à l'ouest, ils vont au centre, ils vont et disent ok, nous, ils évaluent, ils imposent la qualité, ils achètent le champ une fois. Vous avez les Gabonais qui viennent, ils achètent le champ une fois, ils rentrent, lorsque la production est faite, ils viennent avec la voiture Dina, on charge dans les cajots, ça traverse. Le coronavirus est arrivé. Nous n'avons pas vu. Et le ministre de, l'Agriculture se lever, le ministre du Commerce a fait une sortie, et c'est là où il faut interpeller. A fait une sortie, quand nous avons crié ici là sur le directeur de la MIRAP, le directeur de la MIRAP a menti en disant qu'il va mettre des marchés témoins. Non, rien n'était fait. Il a fait une... il devait récupérer ses tomates, monsieur. Il a fait un communiqué et il nous a donné des marchés dans lesquels on devait avoir ces différentes ventes là. Bon, malheureusement, pardon Dominique Audeux. Maintenant qu'il y a des tomates en surabondance. Non, malheureusement, ces marchés n'ont pas existé. Est-ce que vous les avez vus? Mais non, sachant que vous avez un commerce qui se faisait au niveau des frontières et des gens qui ne pouvaient pas rentrer, la MIRAP devait implanter et permettre aux différents agriculteurs, producteurs de tomates de se rapprocher des frontières pour écouler leurs produits. Mais ça n'a pas été fait, M. Michel Gatou. Donc, voyez juste. Qui savait qu'il devait faire ça? Non, mais écoutez, peut-être la proposition fait sur le plateau. Le président a demandé qu'il soit imaginatif, parce qu'il a vu qu'ils ne le sont pas. Non, je termine en disant, M. Michel Gatou, nous sommes la mamelle nourricière de l'Afrique, mais c'est malheureux qu'un pays comme le Cameroun, on a tué la SCAN. Au Ghana, je vous parlais de la pâte d'arachide, M. Michel, la pâte d'arachide. Toutes les cultures camerounaises connaissent la pâte d'arachide. Est-ce que vous savez que des femmes sortent du bureau le soir? Beaucoup passent par le marché, achètent, rasent, vont griller à la maison. Mais si on vendait, si on avait une usine de transformation, vous achetez votre seau, vous rentrez à la maison, vous n'avez plus besoin de repartir au marché. Les condiments, vous avez le ketchup camerounais. Mais comment vous voulez qu'on aille chercher où? La chambre d'agriculture sert à quoi? Permettez. Bon, Bendiane, il y a quelque temps, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Goûté, laissait croire qu'il fallait absolument relancer le Made in Cameroun pour une bonne relance économique avec le Covid-19. Un forum là-bas à l'Assemblée nationale. À cette occasion, croyez-vous justement que c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement camerounais sur la question même de la filière tomate au Cameroun et surtout la relance de la SCAN? Non, ils ont traité dernièrement de la relance de la filière tomate jusqu'à ce qu'en pleine salle, on a demandé est-ce qu'il existe un programme filière tomate au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture est resté silencieux comme une carte. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, votre point de vue rapidement, et on passe au lecture des messages. Il faut obtenir sa souveraineté. Un pays souverain, c'est un pays qui décide de son alimentation, qui se nourrit bien, comme le dit, qui n'est pas besoin de dire. Parce que j'entends les gens dire, mais vous voulez accuser tout le monde, la France et tout. Mais effectivement, nous avons une souveraineté verrouillée par la France. Il faut sortir des mailles de la France et décider de faire par nous-mêmes. Sinon, ça ne sortira pas. Donc, on invite. Oui. C'est que le premier ministre a dit là, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Lui, au moins. Pour voir le maire du Cameroun. Oui, ce ne sont que des mots. C'est-à-dire, voilà le problème. Est-ce que les Français sont même venus au Cameroun installer ces usines? Non. Transfert non. De donc, un maire à l'Est avait tenté de le dire
au premier ministre, je pense que c'était Jean... Non, avant Yassine Le Monde, Peter Mafani Moussongue. Qu'il fallait procéder au transfert des technologies. Avant Peter Mafani Moussongue, avant Yassine Le Monde, nous étions avec Ephraim Inouni. Non, avec Peter Mafani Moussongue, lorsqu'il s'est agi de nickel et de cobalt que les Américains ont pris, et en plus avec le diamant de Mobilon, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison pour ça, parce qu'il fallait faire le transfert de technologie. Aujourd'hui, vous parlez d'une université, c'est à la dernièrement, quand femme Dongo vient vous raconter n'importe quoi. L'école de géologie. Vous avez les mines, vous ne pouvez pas. Même la tomate, les Gabonais viennent acheter sur place. Est-ce que vous savez que les Gabonais nous vendent déjà l'huile de palme? Or, les Indonésiens, ils sont venus apprendre chez nous. Puis, les Chinois à l'Est font quoi? Ils ont plus de 100 hectares où ils font de la tomate. Et les mêmes fonctionnaires, les pouvoirs publics, ils savent que les Chinois font les camps. Là-dedans, ils transforment même le bois. Ils transforment les produits. Même la tomate. Ils le savent, même la tomate, ils savent. Étape, c'est comme ça qu'ils transforment également le manioc et vendent en France, vendent le bâton de manioc en France. Dans les petits cartons. Bien sûr, donc nous, il faut avoir une souveraineté agricole. Une interpellation, madame, monsieur, une réalité camerounaise. Un regard qu'on devrait rejeter effectivement sur cette filière tomate. La filière tomate peut rapporter beaucoup d'argent à ce pays. La filière tomate peut créer beaucoup d'emplois à ce pays. La filière tomate, on devait avoir un programme tomate au niveau du ministère de l'Agriculture du Cameroun. Et on en profite pour interpeller le ministre de l'Agriculture, lui demandant, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites? Aussi, nous interpellons les députés sur le contrôle de l'action gouvernementale. Pourquoi n'interpellez-vous pas le ministre de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'il vous dit contrairement pour la relance économique du Cameroun? On avait le Covid-19 qui sévit. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à lui, le ministre? Est-ce qu'il nous donne des garanties, lui faire confiance? Est-ce que vous, Camerounais, vous ne le regardez pas, vous ne lui dites pas, nous t'attendons sur ce terrain? Et un exemple est patent. Charles Amel a très bien donné ici, c'est bien sûr la SCAN. La SCAN dans le Noun. On a vu des images qui ont circulé récemment sur la toile, mais surtout on a vu comment les portes étaient fermées et des herbes qui étaient autour justement de cette entreprise-là. Mais c'est choquant, c'est outrant. Il y a un policier qui est là, qui est à l'entrée. Ils sont peut-être 5 ou 6 policiers à l'entrée, fermés pour garder. On ne veut pas avoir accès. C'est très grave. Et surtout, on n'a pas accès parce qu'on a peur que des caméras rentrent là-bas et qu'on fasse des enquêtes réelles et qu'on en sorte de là avec des images qui vont certainement ébranler tout le monde. Mais toujours est-il, au-delà de l'image, nous nous rendrons compte. Karine Sontia, les messages. Nos messages ce matin. Vous croyez que vous voyez la tomate parce que c'est d'actualité. Qu'est-ce que vous faites des éleveurs qui ont subi la grippe aviaire? Le Cameroun de Biya n'a jamais rien produit. Le Pérou est presque au niveau du Cameroun, mais produit un chocolat de très bonne qualité. Le Cameroun se distingue par son bricolage à tous les niveaux et dans tous les domaines, même dans l'artisanat. Jean-Bernard Temen. Un autre message. Le Cameroun est mort depuis et malgré la prière de certaines personnes vraies, il est difficile pour lui de se relever car le pays est très, 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 c'est tout. Alors, c'est curieux parce que cela ne sert à rien de diaboliser le père ou la mère. L'enfant a besoin de ses figures pour se construire. Juste avoir le courage de dire la vérité aux enfants quand ceux-ci posent la question. Par rapport à l'histoire du jour, beaucoup d'établissements publics renvoient les enfants pour motifs bizarres. Le fait qu'on n'a pas fini la pension avec le corona, comment on devait finir la scolarité? C'est juste une petite virgule, hein, parce que très rapidement, on vous dit, bah, écoutez, vous avez des enfants qui devraient s'inscrire dans les jours à venir, mais les établissements ont oublié qu'on n'a pas fini l'école. Et vous demande de vous donner le bulletin de l'enfant après que vous ayez payé la totalité de la pension de l'année dernière. Comment vous expliquez ça? Ils vont se battre pour qu'on paye tout maintenant au premier trimestre. C'est très grave. Alors, parfois c'est même la femme qui abandonne l'homme, mais après elle raconte des mensonges aux enfants. En Europe par exemple, des femmes mettent leur mari à la porte et après les sabotent pour justifier leurs actes. Kwayep Njogam qui est écrit. Ça vous inspire un commentaire, Moron Benga? Non. En Europe, elle met le mari dehors carrément. C'est à l'Europe, c'est la femme qui commande. C'est la femme et l'enfant qui commandent.
Et c'est elle qui est la première à vous dire les droits de la femme, alors que c'est elle qui a le pouvoir. Vous voyez, c'est mauvais, les femmes. Ah oui, c'est équilibre, c'est ce que l'enfant cherche. À 20 ans, l'enfant doit se bâtir une vie. Il ne faut pas qu'il se trouve dans des situations qu'il se rende compte que la femme avec qui il vit est sa demi-sœur. Yves Thierry Atoubaïdi. Alors, c'est une mafia dans cet établissement. Parfois, une forme de règlement de compte entre les surveillants de secteur et les élèves. Certainement, une loupe entre... On va pas prendre ça. Alors, les élus dans la tricherie après occupation de leur siège à l'Assemblée nationale cherchent à changer le niveau de vie de la famille et n'ont jamais changé celui du Cameroun. Il y a les crimes partout, mais c'est pas une façon pour moi de légaliser les crimes dans notre cher et beau pays. Un autre message. On a l'impression que tout ce qui se passe au Cameroun est un résumé de tous les maux qui se passent dans le monde entier. C'est vraiment un pays riche. Pour l'histoire du jour, mon mari a eu le même cas et il ne connaît pas son père. Sa mère dit que c'était un diable, un voyou, un irresponsable. Carole Bakam qui a écrit. C'est une bonne déclaration de Mick Audrey. Est-ce qu'il faut dire ça à son enfant? C'est grave. Traiter le père de l'enfant, devant l'enfant, de diable. Karine a mentionné que parfois on se retrouve dans des relations avec des hommes qui nous battent. Pour celles qui sont à la maison, ils vous laissent sans rien à manger alors que vous avez des enfants qui vous maltraitent, qui vous trompent même parfois sous votre nez, qui font un certain nombre de choses. Conséquence, c'est un démon à vos yeux. Et ça déteint sur l'enfant que vous élevez, l'enfant que vous avez avec lui. Du coup, l'enfant grandira à 20 ans, vous ne lui parlerez pas de son papa. Elle a dit que c'est son mari qui ne connaît pas son père. C'est même très grave. Comment elle fait? Et est-ce qu'elle n'est pas la sœur de son mari? Ça, c'est une question qu'elle pourrait se poser parce que son mari lui-même ne sait pas si son père a eu d'autres enfants. Mais lorsqu'on arrive à un certain âge, les parents doivent pouvoir nous dire certaines choses parce qu'on est suffisamment grand pour entendre certaines vérités. Donc, si votre belle-mère est vivante, essayez de convaincre votre mari de réouvrir le dossier. Même si son père est déjà mort, allez sur la tombe de votre père, renouez avec la famille de votre père. C'est important. Karine Sontia. Oui, des messages. On va charger les messages, hein. C'est pas évident. Et on chasse toujours, matin. Madame, Monsieur, ces messages avec vous sur les antennes de Kinos Télévision. Merci pour votre fidélité, toujours honorée sur nos antennes. Les messages se poursuivent avec la page vous, Karine Sontia. La plupart des femmes jeunes ou âgées montent souvent leurs enfants contre leur père après la séparation. Elles oublient que plus tard, l'enfant connaîtra son vrai père avec ou sans leur concours. Ce que je peux dire à cet enfant de 20 ans, et dont c'est suffisant pour qu'il choisisse avec qui vivre. Si sa mère lui a menti, il peut vivre avec son père, non sans avoir informé au préalable sa mère. Sauf s'il veut accorder une dernière chance à celle-ci en voulant qu'elle-même l'accompagne voir son géniteur. Il peut lui-même décider. Pardon. Michel, si vous permettez. C'est très... Oui, Dominique. Voilà. Pardonnez-moi, hein, vraiment. Non, mais écoutez, allez-y. Oui, j'ai oublié de le mentionner en début d'émission. Il y a quelques semaines, on a parlé de l'histoire d'un jeune homme de 20 ans. Puisqu'elle a mentionné 20 ans, sa mère est venue, celui dont les parents voulaient qu'il se marie. Il dit que finalement, il a été contraint d'accepter et que ses parents lui ont demandé de finir jusqu'à de terminer l'année en cours. Donc, qu'il ait sa licence ou pas, il va se marier et il va rentrer au village. Voilà, je pense que sur ce plateau également, Bengane et Charles Hamel, il n'a pas le choix. Oui, tous pensaient qu'il était important qu'il écoute la voix de son papa. Et le papa avait certainement de très bonnes raisons en lui demandant de se marier à cet âge-là. Question de lui donner rapidement un petit-fils et certainement parce que les parents étaient finissants, vieillissants aussi. Oui, je pense ils sont à 90 ans, son père. Voilà. Donc, et c'est le seul garçon. C'est très confortable d'attribuer l'échec de notre politique agricole sur la France qui, elle, tient le rang du premier puissance d'Europe.
agricole d'Europe. Nous sommes honteusement aujourd'hui contraints de consommer toutes nos tomates, nos mangues, nos oranges à la saison parce que nous continuons de dilapider nos moyens pour entretenir les bureaucrates au lieu d'investir dans l'industrie. On ne voit d'ailleurs aucune collaboration entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'industrie. Ne parlons pas de celui du commerce, Henri-Michel Tcham. La colère du jour, comme le disait M. Charlamet, ce pays est énormément, c'est énormément discours et on se demande même, y a-t-il des visionnaires dans ce gouvernement? Moi, je le dis toujours, l'émergence 2035, c'est la blague. Car la clé, c'est la transformation de la matière première, surtout le secteur agroalimentaire qui est une source immense de création d'emplois. Or, la transformation des tomates ne demande pas ciel et terre. Il y a la main d'œuvre, mais pas de volonté politique. Vraiment navré lorsque 90% des denrées alimentaires au Cameroun est importé et pourtant on a tout pour réussir. Paul Salamé. Durand et Saga. Monsieur Michel Ngatchou, je vous invite à faire le tour de certains villages et à demander à rencontrer les plus grands planteurs de ces villages. Prenez l'exemple même si dans le Mungo, hein, allez demander. Vous voyez un planteur, on vous donne le nombre de sacs, mais vous voyez comment il est debout. Il ne parvient pas à vivre, il ne parvient pas à se soigner. Ouais. Il ne parvient pas. Pourquoi? Parce que il y a des broyeurs dans la chaîne. Ceux dont l'objectif est de tout prendre pour eux et de rien donner aux autres. On a lancé la saison cacaoyère, M. Michel Ngatchou. Vous étiez au courant qu'on a lancé la saison cacaoyère? Pour être honnête, non. Mais M. Michel Ngatchou, les préfets, toutes les autorités administratives étaient là pour le lancement. Mais c'était mort. Voilà une filière comme la filière tomate dont on parle aujourd'hui. L'État devrait trouver des mécanismes, ouvrir des corridors. On ouvre un corridor en Guinée équatoriale. Vous voulez les tomates, uniquement ce qu'on va tester, vous traversez, vous achetez les camions, Dina vous attend. On demande aux gars de se rapprocher de la frontière. Mais c'est fermé, on vous interdit même de bouger avec vos produits. Regardez la filière maïs, M. Michel Ngatchou. Regardez combien de Camerounais livrent. Livre seulement aux entreprises qui fonctionnent, aux entreprises brassicoles, le maïs camerounais. On importe une partie. Ce sont peut-être deux ou trois qui se sont arrosés le marché. Mais il faudrait que l'État travaille. L'État travaille. La terre ne trompe pas. Vous avez le poivre de Pendja. On peut vous en citer. Vous avez le riz de Babichoua. Pourquoi le riz camerounais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un label et de dire consommons camerounais? Le made in Cameroun, c'est la poudre de perlimpinpin. Monsieur Michel Ngatchou, consommons camerounais. Nous croyons justement que nous pouvons ici on sur ce plateau, ça aux artisans, aux artisans. Sans crainte, prendre cet engagement en disant camerounais tous les jours. Lorsque vous levez de chez vous, pensez à consommer camerounais. Lorsque vous dormez, pensez à consommer camerounais et sortez justement du complexe de l'occidentalisation qui voudrait qu'on vous dise que tout ce qui vient de l'autre côté est forcément bon. Monsieur Michel Ngatchou, nous consommons au Cameroun, c'est 42 kg de tomates par habitant l'an. Vous voulez dire qu'on n'a pas d'experts au ministère de l'Agriculture? Mais savons que les Camerounais consomment 42 kg de tomates l'an. Divisez pour voir combien les gars consomment journalièrement. Et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une crise dans une filière à cause de la transformation. C'est bien la transformation, monsieur. C'est bien dommage à la main. Vraiment. Colère exprimée et justifiée ce matin. Merci, madame, monsieur, de rester avec nous. C'est 10-12 nos années qui se poursuivent. À l'instant, on va aller dire bonjour à Consti Lamine qui nous retrouve ce matin, comme à l'accoutumée, avec le concept Salaka. Consti Lamine, bien calé à l'instant sur le plateau B. On va le retrouver dans quelques secondes seulement. Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et à ces clients, j'attire votre attention s'il vous plaît. Le seul concept qui vous permet de faire des achats de qualité à des prix vraiment dérisoires, c'est bel et bien le concept Salaka qui est une idée originale et exclusive de Consti Lamine. Et ça fait exactement pratiquement 10 ans que ce concept est sur le marché camerounais et international. Ce concept
qui a été mis sur pied par Constilamine, avec le soutien, bien entendu, de tous ses partenaires. Et parlant, bien sûr, des partenaires, je tiens ce matin à dire merci, un merci particulier à un Camerounais qui soutient depuis 20 ans Constilamine. C'est bien entendu un PDG pas comme les autres, le PDG du groupe Njoué, qui accompagne au quotidien le concept Salaka. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à ce grand homme, c'est-à-dire de la culture, à ce grand homme du commerce au Cameroun et en Afrique, à savoir le PDG du groupe Njoué. Et ce matin, j'offre exclusivement pour les premiers clients qui vont faire les achats du côté du magasin Milan Tap, qui sont à Douala. Donc si vous regardez en ce moment à Douala, dès que vous allez faire les achats du côté du magasin Milan Tap, vous allez recevoir un bon qui vous permettra de retirer, bien entendu, assez de pain du côté de la boulangerie Malanguet, boulangerie du PDG du groupe Njoué. C'est donc à l'endroit de tous les premiers clients qui vont faire les achats ce matin du côté du magasin Milan Tap. Je vous offre gratuitement assez de pain à la boulangerie Malanguet. Alors ce matin, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par notre magnifique correcteur de posture que j'aime bien appeler Correcta de Posta. C'est un correcteur de posture pas comme les autres. C'est un correcteur de posture qui vous permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également, chers téléspectateurs, d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Donc ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau du dos, voici la solution. La solution, c'est le correcteur de posture que voici. Vous le connaissez déjà, je vous le rappelle encore ce matin, il est important d'avoir son correcteur de posture. Et j'attire l'attention de tous ceux-là qui passent toute une journée assis derrière un bureau. Ceux-là qui passent le temps derrière le volant d'un véhicule, ceux-là qui passent le temps assis sur une moto en faisant le transport, je vous conseille bien entendu d'utiliser régulièrement le correcteur de posture, parce que ce correcteur de posture vous permettra de vous prévenir contre le mal de dos. Vous l'avez donc au magasin 1001 tapis. Le prix est toujours en promotion. Vous l'avez à 10 000 francs, votre correcteur de posture. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de la acheter dès à présent au magasin 1001 tapis au prix de 10 000 francs. Et je le rappelle, les premiers clients qui sont à Douala, qui vont acheter ce correcteur de posture pour le compte de ce lundi matin, vont recevoir un bon qui leur permettra de récupérer assez de pain du côté de la boulangerie Malanguet. C'est à Douala au Cameroun. Je rappelle que le prix est bel et bien de 10 000 francs pour ce correcteur de posture. Le correcteur de posta, yes, any man must buy a correcteur de posta. Il y a bat for your dos, il y a hot for your neck, il y a hot for your épaule. Just come for concept Salaka, for magasin 1001 tapis, and commander your correcteur de posta for 10,000 francs. Donc, any man must get a correcteur de posta. Le correcteur de posture est disponible en deux couleurs. On a la couleur blanche que voici, et bien entendu la couleur noire au prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture. À côté, bien sûr, du correcteur de posture, on parle également de plus en plus de cette pommade. La pommade contre les hémorroïdes que voici, cette pommade permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Et je le dis en toute vérité aux clients, nous sommes en train de vivre là le dernier stock de la pommade contre les hémorroïdes. Je dis bien, c'est le dernier stock au magasin Milan Tapis. Donc, ceux qui nous regardent en ce moment, vous êtes habitués à cette pommade, venez au magasin Milan Tapis parce que le stock est en train de s'épuiser. Cette pommade, elle se vend énormément. Elle a apporté une solution à plusieurs personnes et aujourd'hui, je vous la représente encore une fois de plus. C'est une pommade qui permet d'éliminer totalement le problème des hémorroïdes. Donc, pour ce qui est de la vente de cette première partie ce matin, notamment le correcteur de posture à 10 000 francs et votre pommade contre les hémorroïdes, une fois de plus, merci et surtout très bonne journée au PDG du groupe Njoué, partenaire du concept Salaka. Merci Constilamine. Et on vous retrouvera dans un instant pour la deuxième partie. Madame, monsieur, vous aussi, merci de rester présent. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile ce week-end? Il s'est passé sur la toile ce week-end que le chef Sokoudjou, roi des Bamendjou, Sa Majesté Sokoudjou, a reçu une mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux.
notamment qui a été informé que le 18 juillet dernier, le chef Sokoudjou était en concertation politique, non déclarée avec des leaders politiques, alors qu'il n'a pas respecté la loi sur la déclaration préalable des manifestations ou réunions politiques. Alors, la réponse du chef Sokoudjou ne s'est pas fait attendre, parce que sur son compte Facebook, il a publié, je cite, « Nous devons éviter de toujours laisser le feu pour souffler sur la cendre. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à n'organiser que les funérailles que tout bruit est synonyme de son tam-tam. Parfois, on tape, mais c'est plutôt la naissance et pas toujours le deuil. » Bonbon Bengan, lorsque le chef parle comme il a parlé, est-ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y a une rixe entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle qui tente justement, pour l'autorité administrative, d'humilier l'autorité traditionnelle, et même si celui-ci, celle-ci autant pour moi, est considérée comme étant l'auxiliaire de l'administration, est-ce que l'attitude, sans le juger d'ailleurs, on parle bien du préfet, est de nature justement à apprécier une relation excellente entre les deux parties dans une communauté comme la nôtre? Non. Quand vous lisez, vous comprenez bien ce que le roi Sokoudjou a dit, vous allez comprendre la chose suivante. Chez nous, en Afrique, quand un enfant fait les selles sur ta cuisse, tu ne coupes pas ta cuisse. Tu laves l'enfant. Tu laves la cuisse, tu reprends l'enfant. C'est ce que le chef a fait. Mais est-ce que l'autorité administrative comprend? Non. L'autorité administrative a certes fait des études, mais permettez-moi de vous dire qu'il n'a rien appris. Oui, il a étudié, mais il n'a pas appris. Peut-être ça vous semble rébarbatif ou tout. Non, nous, c'est comme ça. On sait, on vous envoie à l'école. Vous pouvez étudier tous les livres de droit au monde, bûcher, réciter toutes les lois et décrets qui existent depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas appris de la vie, ça ne vous servira à rien. Donc même au moment où vous allez apprécier, comment vous allez apprécier l'attitude de votre enfant, en disant à la maison, vous n'aurez rien. Or, vous avez étudié, mais vous n'avez pas appris, n'avez rien appris. Donc ici, en fait, l'autorité administrative, je le plains. Je le plains pour deux raisons. La première raison, c'est que s'il avait appris, il aurait su que les royaumes ont précédé la République. Il a été à Douala comme sous-préfet à Douala IIIe. Je pense qu'il sait quand même qu'il y a au moins trois chefs de premier degré à Douala Ier. L'administration règle ça comment? Ça fait partie des incongruités de la République. À ce moment, on laisse. Deuxième chose que je voudrais dire. Je sais qu'il a également les chefs de renseignement. Est-ce que le chef roi de Bamendjou a convoqué une réunion? Non. Non. Les chefs reçoivent tout le monde, y compris les autorités administratives, tout le monde. Mais vous allez donc interdire aux chefs de recevoir les gens? Dans l'apprentissage, l'autorité administrative doit intégrer que lui, il fait dans le protocole, demande audience, peut-être ceci, il peut même refuser de vous recevoir. Mais nous, les autorités traditionnelles, même à 3h du matin, vos enfants peuvent être en difficulté. Un lion a surgi au village. On ne va pas attendre le lendemain quand le lion aura dévoré vos enfants qu'on viendra vous réveiller. On vient, on dit, papa, le lion gronde. On fait comment? 2h du matin, vous savez, parce que vous avez des gens, vous avez des coutumes. Vous avez les outils pour pouvoir combattre. Voilà, des outils nécessaires pour protéger. Les donc, populations. Vous protégez les populations de jour comme de nuit. Les forces du mal comme des forces d'agression et tout. Donc des forces invisibles comme des forces visibles. C'est ça le roi. Et quand l'autorité administrative ne comprend pas ça, ça veut dire qu'il n'a rien appris. Il a étudié, mais il n'a rien appris. Donc c'est dégueulasse qu'on en arrive là. Et lorsqu'on va également dire que
l'administration coloniale française nous a laissé que la répression, la corruption. On va dire que peut-être pourquoi on veut se référer. Voilà une situation qui se prévaut là. Est-ce que peut-être pour finir mon mot, c'est pas les chefs traditionnels, peut-être pas Sa Majesté, pas le roi aujourd'hui, Sokoudjou, puisque lui, quand il a dit, il le dit ouvertement, lui ne tourne pas, il dit ce qu'il pense, il pense justement à l'avenir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il prouve aujourd'hui? C'est-à-dire que l'attitude des chefs traditionnels qui sont à la merci des autorités administratives, c'est-à-dire l'autorité administrative, lorsqu'il arrive, souvenez-vous aussi, c'est passé récemment dans le sud, avant que les populations se lèvent pour dire, ben attention, que l'on vienne encore à faire de l'autorité administrative le marche-pied. Est-ce que c'est l'autorité traditionnelle? Est-ce que ce n'est pas ces autorités traditionnelles eux-mêmes qui sont à l'origine justement du mépris qu'on leur sert tous les jours? Non, vous savez, quand vous posez le problème comme ça, et ça veut dire qu'en fait, l'autorité administrative devient le directeur de conscience. En réalité. Mais justement, c'est faux. Puisqu'on vous donne de l'argent chaque mois. Ce n'est pas le roi. Vous avez le salaire. Le roi Sokoudjou ne dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qui est. Il faut faire la différence entre les deux. Ce qu'il est, et c'est l'autorité administrative qui ne sait pas ce qui est. Qu'est-ce qui est? Il est que l'autorité administrative, il prend sa retraite, il part. C'est ça sa fonction. On peut l'affecter là où on veut. Mais celui-ci, il est là, à vie. À vie. Très bien. Il est là à vie. Et on fait comment? Comment on gère la République? Avec cette conjonction qu'il y a eu alors, ou alors ce manque de consensus qu'on a fait exprès d'ignorer. Comment intégrer les royaumes dans la République? C'est ça le problème. En plus, le Cameroun vit avant la France. Le Cameroun existe sur le plan historique avant la France. Avant l'arrivée des Allemands aussi, non, il faut le dire. J'ai dit sur le plan historique, le Cameroun vit avant la France. D'accord. On peut remonter. La France est hier, c'est une constitution d'hier. Or, le Cameroun, bon, vous prenez Cameroun dans le terme que vous voulez, Camaro et c'est tout. Non, on vivait avant. Merci. On vivait longtemps avant. Avant même Jésus, que Jésus n'arrive. On va gagner un temps bon, Benga. Charlamel, qu'est-ce que ça vous inspire également, la situation en ce moment qui est délétère entre l'autorité administrative du Yonkam et Sa Majesté le roi Sokoudjou? Ça dénote une seule chose, M. Michel Ngatchou, que nous avons plus affaire à des indiques, des agents de renseignement, plutôt qu'à des autorités administratives censées composer avec les collectivités territoriales, territorialement décentralisées. Excusez-moi d'employer cette expression. Je me rappelle dans les années 80, M. Michel Ngatchou, lorsqu'on affectait un sous-préfet, les premiers jours de son affectation, il se battait à faire une seule chose, apprendre à causer la langue de la région là où il avait été affecté pour être en symbiose avec les différentes populations. J'ai connu des sous-préfets qui, au soir de leur retraite, causaient le Manguissa, causaient le Boulou, causaient M. Michel Ngatchou, le Bassa. Pourtant, c'était des gars du Nord, parce qu'affectés. Aujourd'hui, on a affaire à des sous-préfets, M. Michel Ngatchou, vantards, imbus de leur personnalité, leur personne, qui se placent au-dessus. Les administrateurs, c'est mieux de le dire, parce qu'il n'y a pas que de sous-préfets. Oui, qui se place au-dessus et nargue, on va le dire comme ça, très, très simplement, les chefs supérieurs qui, eux, sont là à vie. Je dis à vie, parce qu'un sous-préfet, c'est un décret de 17 heures qui vous dégomme. Un décret, tous tremblent lorsqu'il est 17 heures, parce que qu'est-ce qui va encore sortir? On les surprend toujours. Monsieur Michel Ngatchou, cela démontre que le préfet est plus là pour contrôler deux hommes, Bamendjoum, Baham et un autre village dont je tais le nom. Excusez-moi, je le dis de manière simple parce que comment comprendre qu'une visite
une visite qui n'avait pas été annoncée. On a surpris des personnes. Vous et moi, on peut se déplacer. Maintenant, on va rencontrer le chef Sokoutou pour avoir des conseils. On peut se déplacer pour aller rencontrer le chef Bakassa, qui est le plus vieux, lui aussi, très vieux, pour des conseils. Mais est-ce que le fait d'être allé le rencontrer voudrait dire que... Il a organisé une réunion. Que c'est chez vous. Il y a des jours, vous avez des frères qui, peut-être, sont à Bertois, qui viennent ici pour un deuil. En rentrant, tous décident de débarquer, vous saluer à la maison avant de continuer. S'ils sont venus chez vous et qu'on a causé politique, on s'est interrogé sur la situation de ce policier qui a torturé un taximan qui est mort, ou de cette agence de voyage où on a molesté un gendarme, il est mort. C'est parler politique. Non, je pense que M. Michel Gatchou, on a un préfet qui refuse de s'entendre avec ses pairs. J'emploie l'expression, c'est père. N'a-t-il pas peur? Ne devrait-il pas avoir peur? Monsieur Michel Gatou, il devrait avoir peur de quoi? Puisque quelques heures après, on a les élites de Mamendjou qui ont fait une motion de soutien, qu'ils ont reçu des états. Certains élites. Oui, les élites. J'ai dit les élites de Bamendjou qui ont fait une motion de soutien, qu'ils ont reçu de l'État. Ils ont désavoué là leur père. N'ayons pas peur de le dire, ils ont désavoué là leur père. En faisant un truc, c'est des peureux, étaient des personnes qui convoient des postes, allez savoir. Mais toujours est-il que, connaissant le chef Fosokoudou, il est droit dans ses bottes, il a reçu des personnes qui sont venues le voir, ils ont discuté, à la fin, ils ont fait des photos, il y a plusieurs groupes. Je dis, vous savez, les chefs, monsieur Michel Gatou, il faut qu'on ait le fonctionnement de la chefferie. À partir de vendredi, jeudi, vous avez des gens qui viennent. Des étudiants, des touristes, des fils même qui ont des problèmes dans leur concession, qui viennent vous rencontrer pour débattre de X ou Y problèmes. Et encore, M. Michel Gatchou, que la manière avec laquelle on l'a fait, l'article 30... Et vous chutez? Oui, je chute l'article 30, M. Michel Gatchou, du décret portant l'organisation des chefferies traditionnelles, précise que, M. Michel Gatchou, les sanctions disciplinaires qui précèdent ne peuvent être infligées que si le chef a été préalablement... appelé à donner des explications sur son comportement, son inefficacité ou son inertie. Est-ce qu'il a été, comme le prévoit le texte, on est déjà à la mise en garde, alors qu'il n'a pas encore été interpellé pour discuter d'une demande d'explication pour qu'il puisse se justifier. Un gros dysfonctionnement. Carré sentier, le deuxième sujet. Il faut quand même rappeler, j'aimerais chuter en disant que malgré tout cela, il y a des lettres d'avertissement des jeunes de Mamendjou hein, qui ont aussi été rendus publics contre le préfet des Hauts Plateaux. Donc, c'est un gros ping-pong. Pas seulement ces jeunes de Douala, mais également il y a les Mamendjou de la diaspora. Et des fils du Cameroun, il y a même d'ailleurs le docteur Ilay Kamga qui ce matin a reçu sur l'antenne d'Equinoxe Radio, qui disait que lui, il est fils de Bamendjou. Il n'admettrait jamais que l'on traite son chef, son roi, de la sorte. C'est une insulte justement à la communauté Bamendjou. Oui, on s'intéresse à l'eau. L'eau? Oui. L'eau qui ne t'a pas permis. Vous en avez bu un peu quand même? Non, j'en ai bu. Alors, on parle de l'eau qui a pollué les examens, surtout le baccalauréat 2020 au Cameroun. Les candidats des séries C, D et TI seront obligés de repasser les épreuves de sciences de la vie et de la terre, physique et puis chimie, qui seront reprogrammées lundi 3 et mardi 4 août. Dès lors, les examens de probatoire, les épreuves qui devaient se tenir, du probatoire qui devait se tenir notamment le 4 août, sont reportés au 10 et 11 août 2020. Par contre, les examens, les épreuves de baccalauréat seront repris, ces trois épreuves-là. Pourquoi? Parce que depuis le début des examens, les élèves sont montés au créneau, plusieurs, pour dire qu'il y a des établissements qui avaient les épreuves de certains examens, sauf que là, ça n'a pas fait grand bruit. Mais avec ces épreuves-ci, on s'est rendu compte que dans les groupes WhatsApp et autres, ça circulait, l'eau était abondante. Alors, Dominique Audrey, on m'a dit que l'eau a coulé grâce aux réseaux sociaux cette année. Hein. Les réseaux sociaux ont permis la coulée facile de l'eau. Oui, surtout de voir la trajectoire de cette eau-là. Donc, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un élève qui a adressé une lettre à leur ministre de tutelle en disant que non, on ne devrait pas... Ils ne sont pas responsables. ...recommencer, mais vous allez devoir recommencer. Je suis désolée parce qu'il y a des gens qui sont dans d'autres régions...
qui n'ont pas eu cette eau-là et d'autres ont eu la possibilité d'avoir l'eau. Donc, vous allez recommencer. Et maintenant, au niveau du ministère, il faudrait qu'on soit un peu plus sérieux, un peu plus regardant et qu'on contrôle effectivement les épreuves qu'on va donner aux uns et aux autres. J'ai lu quelque part également qu'il arrivait que certains donnent les épreuves dans des écoles privées, qu'on laisse l'eau couler dans certaines écoles, et c'est déloyal parce que à la fin ce sont les dirigeants qu'on plaint aujourd'hui, c'est la qualité de dirigeants là qu'on est en train de former en leur facilitant autant les choses. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci à vous madame, monsieur. Dans un instant, on marquera également une seconde pause, mais nous vous rappelons également que ça bouge énormément au Cameroun. Nous allons, comme j'aime à vous le dire madame, monsieur, construire notre pays ensemble. Notre travail également, c'est une question d'éveil, de mentalité tous les jours. Et il faut tout faire pour que ça change. Et c'est avec vous qu'on le fera. On marque une pause et on se retrouve. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Constil Amine, bonjour. Alors, bonjour, bonjour Michel et bonjour une fois de plus à tous les téléspectateurs. Alors, ce matin, je viens encore parler de cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Mon rôle étant de communiquer, mais alors de faire une communication commerciale qui se veut également très, très éducative parce que le tout n'est pas, bien entendu, c'est-à-dire d'acheter un article, mais le tout, c'est d'acheter un article de qualité. Et de plus en plus, le concept Salaka se présente aujourd'hui comme étant ce concept qui vous permet d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parlant bien sûr des articles, c'est des articles que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, notamment cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Au Cameroun, il n'y a que le concept Salaka qui commercialise l'appareil pour nettoyer les oreilles, à savoir le Earlys Up. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs l'utilisation. Mais avant l'utilisation, je rappelle que le prix est bien entendu de 7000 et ce prix de 7000 francs est valable jusqu'au 31 juillet 2020. Donc ne revenez pas le 3 juillet, le 4 juillet, le 4 août, autant pour moi, dire que le Earlys Up coûte 7000 francs. Je le rappelle bien encore ce matin, le prix normal du Earlys Up est de 9000. Mais nous sommes en pleine campagne de promotion et nous le vendons jusqu'au vendredi 31 juillet à 7000 francs. Et à partir du 1er août 2020, il coûtera officiellement la somme de 8000 francs et nous vous donnerons gratuitement une pile. Oui, je dis bien à partir du 1er août 2020, le prix du Earlys Up sera arrêté officiellement avec, bien entendu, l'accord du partenaire qui a décidé de le maintenir à 8000 francs. Donc, vous l'aurez à partir du 1er août 2020. C'est un samedi au prix de 8000 francs. Et vous aurez en bonus une pile durable que nous allons vous donner. Alors, mais déjà pour l'instant, il est toujours vendu à 7000 francs au magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala. C'est au Cameroun. Nous allons tout de suite, avec la permission de la réalisation, passez bien entendu à la présentation et l'utilisation du Earlys Up. Pour ceux qui le regardent hors de la ville de Douala, qui n'auront peut-être pas le temps de venir au magasin, le Earlys Up se présente dans ce coffret dans lequel vous avez plusieurs accessoires, notamment 4 accessoires. Il y a d'abord ce petit pinceau, il y a l'appareil principal que voici, il y a bien entendu 2 tubes qui seront, l'un sera fixé bien entendu ici là pour nettoyer les oreilles. L'intérieur de votre Earlys Up, il fonctionne à partir d'une pile. Donc voilà, on met la pile ici à l'intérieur. Une fois qu'on a mis la pile, on ferme l'appareil et on fixe ce bout. Regardez très bien, chers étudiants. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, en restant à la maison, on apprend, on maîtrise comment l'utiliser. Une fois qu'on a fixé ce bout, on allume là
Voilà, vous allez ressentir une vibration. Vous allez passer légèrement l'appareil à l'intérieur de l'oreille pendant 10 à 20 secondes. Vous allez voir, voilà, bon, l'oreille de Consti est nettoyée. Voilà, donc pas besoin de voir la saleté. Mais je rappelle que cet appareil nettoie profondément les oreilles. Donc, vous le mettez à l'intérieur de l'oreille 10 à 20 secondes sur cette oreille. Et vous passez également... Également, faites la même chose ici. Une fois l'avoir fait, vous arrêtez l'appareil. Ainsi, vous l'arrêtez comme ça. L'appareil est déjà arrêté. Vous retirez ce tube et vous allez ici à l'intérieur, voilà, où la saleté se pose. Et une fois, vous prenez le pinceau, vous le nettoyez, vous le nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez et vous rangez votre earlise. Voilà donc pour ce qui est de l'utilisation de votre appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles, qui est vendu au prix de 7000 francs au magasin 1001 tapis. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2020. À partir du 1er août, il coûtera 8000 francs avec une pile offerte gratuitement. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur, Charles Lamel, Bombo, Karine, Sonce, Dominique Audrey. On se sépare avec un regard absolument important. Figurez-vous qu'un taximan soit mort dans la ville de Douala parce que torturé brutalement par un commissaire de police, et y compris quelques éléments justement de l'armée au Cameroun. Croyez-vous que c'est cet état que nous voulons construire? Croyez-vous également que les citoyens camerounais n'ont pas droit à des libertés et qu'on n'en parle pas? Rappelons-le, tout ceci s'est passé effectivement au commissariat du 6e à Douala. À demain.